De vous interrompre, mais il est maintenant temps des déclarations de députés. Député de Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole en tant que nouveau porte-parole en matière de transport en commun. Qu'on l'utilise pour aller au travail ou pour visiter nos êtres chers, on a droit à un bon système de transport en commun. Je reconnais le travail acharné des exploitants qui rendent ces déplacements possibles. Nous devons protéger et élargir le transport en commun dans la province, mais il doit être dit que les projets actuel et futur doit être basé sur les besoins, sur les conseils des experts, non pas sur la volonté des gens qui sont auprès du premier ministre. Les communautés doivent être respectées. Le transport en commun dans la province dépend des droits pour fonctionner. Mais il y a eu un déclin dans le nombre d'usagers actuellement. Il faut régler les problèmes qui ont été créés et qui mettent en danger la sécurité et la santé des exploitants de ce transport en commun. Il faut continuer à envoyer de l'aide au-delà de mars. Je continuerai à défendre ma collectivité. Je demande au gouvernement de transférer le territoire de Metrolinx afin qu'un centre communautaire puisse être construit à Jane et Finch. Ne faites pas les mêmes erreurs que les libéraux. On demande mieux que ça. Merci. D'autres déclarations, député? Député de Paris Saint, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux donner la voix à la frustration que j'entends des propriétaires de PME, des résidents et des élus municipaux à Parry Sound, étant donné le manque de communication sur ce décret de rester à la maison qui est encore en vigueur. Les professionnels de la santé priorisent les communications au cours de la pandémie avec des conférences de presse presque quotidiennes. Je demande à notre unité de santé publique de suivre cette démarche, alors qu'il est décevant de savoir qu'on demeure sous un décret de rester à la maison actuellement. Il est important que ces décisions soient prises en consultation avec les experts, tels que le médecin hygiéniste en chef et les médecins hygiénistes locaux. On a fait beaucoup de progrès face à la COVID, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. J'encourage les résidents de continuer à suivre les conseils de la santé publique afin de mettre fin à la transmission. Je remercie l'unité de santé publique de ma circonscription pour avoir ouvert les activités telles que la luge et la motoneige et d'avoir revu l'ordre de mettre fin à ces activités. Je demande encore une fois que cette communauté puisse aller de l'avant. Déclaration de député. Député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'occasion de faire une déclaration pour la première fois depuis assez longtemps. Et lorsque j'ai pensé au sujet dont je voudrais parler, étant donné la minute et demie que j'ai, et je ne peux imaginer de prendre la parole en tant que député sans reconnaître et remercier nos travailleurs essentiels dans nos collectivités. Chacun d'entre eux, chacun et chacune d'entre eux, et elle, de lire une liste des gens et organismes pour assurer la sécurité de la population. Et il y a beaucoup de gens sur cette liste, mais entre autres les gens du système de santé, les gens de l'administration hospitalière, nos fonctionnaires de la santé publique qui font face à beaucoup de pression et font encore plus que ce qu'ils peuvent pour protéger nos collectivités. Notre député de London West a déposé une motion
pour les congés santé, les congés maladie payés. On sait que ces congés assurent la sécurité de nos collectivités, que ce soit les enseignants, les propriétaires de PME, les propriétaires de salles d'entraînement qui ont de la difficulté. La liste est longue. Mais soyez rassurés, on pense à chacun d'entre eux, à chaque jour ici en cette chambre. Nous travaillons tous pour assurer la sécurité de tous. Merci. Déclaration de député, député de Sarnia-Lambton. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole et d'annoncer un autre seuil essentiel face à la COVID à Sarnia-Lambton hier. Blue Water Health a ouvert sa première clinique de vaccination pour les travailleurs à haut risque. Fred Osman a été le premier à obtenir ce vaccin. Il y a plus de 2000 membres de son équipe dans son centre de santé. Les non-patients, les employés qui ne sont pas, travaillent pas auprès des patients n'ont pas encore de rendez-vous pour obtenir leur vaccin. Beaucoup de résidents, la majorité des résidents de foyers de soins de longue durée ont obtenu leur vaccin. Il faut en être fier. Monsieur le Président, les 11 derniers mois ont été difficiles, il va sans dire. Les vaccins pour les travailleurs de première ligne, c'est essentiel, c'est une bonne nouvelle, mais pour citer M. Osmond, il a dit, et je cite, « On voit enfin la lueur au bout du tunnel ». Merci, M. le Président. Député de Brampton-Est, merci. Il y a une question qu'il faut se poser. Qui paiera pour cette pandémie? Qui paiera pour la reprise suite à la COVID? Au cours de la dernière année, on a vu un nombre de défis sans précédent auxquels on fait face. Les travailleurs de première ligne risquent leur vie à chaque jour pour faire avancer l'économie. Les propriétaires de PME ont de la difficulté à garder leurs portes ouvertes. Les gens doivent faire un jeu d'équilibre entre les services de garde et leur emploi, sans compter ceux qui ont carrément perdu leur emploi. Toutefois, les plus riches du Canada ont augmenté leur richesse de 63 milliards de dollars sur le dos des gens qui portent le fardeau de cette pandémie. C'est la raison pour laquelle il faut une taxe sur la richesse des très riches, les multimillionnaires et milliardaires, afin qu'ils paient leur juste part des services sur lesquels nous dépendons, afin d'élargir le réseau de la santé et notre système d'éducation. On peut le faire, mais il faut avoir le courage de demander à ceux qui peuvent se permettre de donner un peu plus, d'en donner un peu plus, parce que les travailleurs ne devraient pas avoir à payer pour cette pandémie. Et une taxe sur la richesse, c'est la seule façon de s'assurer qu'ils ne le fassent pas. Déclaration de député, député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Le mois prochain, ce sera la journée des ingénieurs professionnels de l'Ontario. Ils sont des milliers en Ontario. Et le 1er mars a été désigné par cette Assemblée comme la journée officielle pour célébrer la Journée ontarienne des ingénieurs professionnels. Ils sont essentiels. Ils élaborent des projets des logiciels, des autoroutes. Vous reconnaîtrez les ingénieurs par leur anneau d'acier qu'ils portent autour du doigt. C'est un symbole de fierté, un rappel qu'ils doivent se respecter les plus hautes normes d'éthique. Il y a beaucoup d'ingénierie dans ma circonscription avec l'association des ingénieurs qui se trouvent dans ma circonscription. J'ai appris de première main ce que font les
Les ingénieurs, c'est toujours bien de voir, à l'œuvre régler les problèmes les plus complexes. Et donc aujourd'hui, j'aimerais reconnaître tout particulièrement les étudiants en ingénierie, les meneurs de changement de l'avenir qui continuent de faire face à la difficulté d'apprentissage face à la COVID. On a besoin de vous encore plus qu'avant. Et donc, joignez-vous à moi aujourd'hui et le 1er mars pour célébrer la Journée des ingénieurs professionnels. Député d'Hamilton Mountain, merci, Monsieur le Président. Plus tôt ce mois-ci, j'ai été fière d'être nommée porte-parole en matière de santé mentale et de toxicomanie. Au cours des dernières semaines, j'ai rencontré des fournisseurs de services de ce secteur pour en apprendre plus. Tout le monde à qui j'ai parlé est d'accord. L'Ontario fait face à une crise de surdose et ça ne fait que s'empirer. La santé publique de l'Ontario dit que les surdoses dues aux opioïdes ont augmenté de 50 % au cours de la pandémie. Le nombre de morts dues aux opioïdes sont les plus élevés que jamais. Et toutefois, les gens à qui je parle me disent que très peu est fait par ce gouvernement pour s'y attaquer. Il y a des gestes qui doivent être posés par ce gouvernement lorsqu'on parle de réduction des surdoses, par exemple de fournir des programmes spécialisés, des programmes d'utilisation supervisée, des programmes de réadaptation, d'investir dans les logements soutenus. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est simplement de reprendre, remettre en place le groupe face à la toxicomanie. L'indifférence de ce gouvernement ne mènera qu'à une crise plus importante et encore plus de décès. La population ontarienne mérite mieux. Les familles demandent de l'aide. On a l'obligation de respecter les besoins de ces familles et d'épargner la vie des gens. Déclaration de député, député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, et si on pouvait aider à prévenir l'itinérance avant que les gens se retrouvent à la rue? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'était notre objectif alors qu'on a participé à une levée de fonds samedi passé dans ma circonscription de Brantford-Brant. Les Walkers ont levé 53 000 pour un centre jeunesse à Brantford. C'est 151 % de l'objectif qu'ils s'étaient établi. Ça montre vraiment la communauté généreuse et chaleureuse que je représente. Ce centre est essentiel à but non lucratif et reçoit 750 à 1000 visites à chaque mois par des jeunes adolescents. Dans ce centre, on croit que chaque jeune est important et doit obtenir l'aide nécessaire pour relever les défis auxquels ils font face. Chaque enfant qui se présente à leur centre a de la difficulté d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec l'itinérance, la mobilité, l'intimidation ou autre. Lorsque le centre fait son travail, ils assurent la sécurité de ces jeunes, leur donnent l'aide nécessaire. Nous avons donc tenu cette levée de fonds qui était sécuritaire en temps de COVID et qui était très amusante. Mon ami Phil Gillis était présent. J'aimerais le remercier de toujours être là pour notre collectivité de différentes façons. Certaines personnes voient les choses et se posent la question « Pourquoi? » Et à ce centre, on rêve d'éléments qui n'ont jamais été mis en place et on se pose la question « Pourquoi pas? » Déclaration de député. Député d'Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu beaucoup de mauvais renseignements qui ont été publiés sur le vaccin de la COVID. C'est très décevant. Le 4 décembre, notre groupe de vaccination a établi le plan de distribution du vaccin. Ces objectifs sont clairs et sont disponibles sur le site Web du gouvernement depuis des semaines. C'est sur ontario.ca/vaccin-COVID et on demande à tous de se rendre sur ce site pour en apprendre plus. On sait que ce plan nécessite d'obtenir les réserves de vaccins qui proviennent du fédéral. Alors qu'on obtiendra plus de vaccins, on planifie d'élargir d'autres groupes d'autres groupes prioritaires
Par exemple, les prochains qui recevront leur vaccin dans la deuxième phase en mars. On sait que tout le monde a très hâte d'avoir son vaccin et on a très hâte de pouvoir vous le remettre. Les centres sont prêts à vacciner. 6 millions de personnes ont été vaccinées en 6 semaines contre la grippe. Nous travaillons avec nos partenaires pour être sûrs d'avoir la meilleure campagne de vaccination de l'histoire de l'Ontario. Merci, M. le Président. The next statement, the member for prochaine déclaration. Député de Scarborough-Guildwood, merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître tous les très bons efforts de la part du Boys and Girls Club de ma circonscription de Scarborough-Guildwood. Ce club de garçons et des filles a été une partie intégrante de la communauté tout au long de leur histoire. Ils ont offert plusieurs programmes qui se concentrent sur l'accessibilité. Les services offerts par ce groupe aux enfants et aux familles de ma communauté sont nombreuses. Tout au long de la pandémie, ils ont démontré du courage, la persévérance dans leur réponse aux besoins de la communauté, tout en offrant des services essentiels aux familles. Les gens de ma circonscription savent que c'est des gens de la communauté qui vont au-delà des besoins et de venir en aide aux autres. Et ça a été encore plus évident durant les 11 derniers mois, durant la pandémie, alors qu'ils ont travaillé sans relâche pour s'assurer que, alors que les familles sont prises avec beaucoup de difficultés, qu'ils reçoivent des soutiens, d'autres services tels que le retour à l'école. Et ils ont lutté contre l'insécurité alimentaire en offrant des services tels que d'offrir des repas à domicile. Et à chaque semaine, au directeur exécutif, Uja Sawyer, et tous les bénévoles, je vous remercie et félicitations pour un très bon travail. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Le député de Davenport rappelle au règlement. Je demande le consentement unanime afin d'adopter la motion 137 de la part de notre parti pour un financement pour les écoles, une meilleure ventilation, un groupe de consultation concernant la sécurité composé d'experts et de parties prenantes. Madame la députée de Davenport a demandé le consentement unanime afin d'adopter la motion 137 pour augmenter le financement pour le retour à l'école, pour une meilleure ventilation et un groupe de sécurité pour composé de parents et de fiduciaires. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un nom.